Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous amène en canot camping dans la belle réserve faunique de la Vérendrye en Outaouais. Pour l'occasion, je suis accompagné de Brandon On The Go. On est ici pour découvrir une partie du territoire. En fait, on va aller faire le trajet 11, un trajet de 34 km sur 3 jours, 2 nuits. Un trajet qui va nécessiter du portage, un trajet où on va voir des grands lacs, un trajet où on va voir des rapides, des chutes. Alors, je vous invite à nous suivre. On est prêt à partir. On vient juste d'avoir les instructions pour le canot, comment faire du portage, comment le loader, comment le déloader. Avec Brandon, on est sur le bord, regarde, on vient de tout mettre notre matériel, on est correct. Donc on s'en va pour une grosse journée, on veut faire le plus loin possible dans la première journée. Peut-être 10 km, on va voir si on est assez motivé. 10, 15 peut-être. Ça va flotter. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas l'équipement que je t'inquiète, c'est nos deux gros bédaines que je t'inquiète. Ok, ma grosse bédaine puis le bédaine à Joe. Là. Ok, on part. On fait ça, let's go. Ok, on arrive maintenant à l'endroit où on va faire du portage. Il y a déjà des gens, donc on va prendre ça tranquillement. Portage, coupe de 100 mètres. C'est parti. OK, on revient à notre deuxième portage, moi puis Brandon. Presque 2 heures d'après-midi, on a déjà pris notre première bière avant de... C'est pas vrai, j'ai juste bu de l'eau. De l'eau de Blanche de Chambly. Il est généreux, ce Brandon-là. On a rencontré un paquet de gens ici qui font ici du canot. Fait que Brandon avait apporté une quand même assez grosse caisse de bière. Fait que, qu'on trouvait ça pesant, fait qu'on l'a offert. Brandon a offert la bière aux autres, fait qu'ils en ont pris. Fait qu'on a jasé un petit bout de temps avec des gens. C'est un peu stratégique comme plan. Ouais, c'est ça. Le trajet inclut également des barrages de castors à passer. Donc, on anticipait ce point, ce moment-là. Finalement, ça a été quand même assez facile à passer. Ouh! OK, petite pause. On est arrêté sur le bord dans un des sites de camping. Juste pour quelques minutes. Temps de manger quelque chose. Et ça, humus, fait prête. Trouver une belle roche. On est rendu comme dans les marécages, c'est vraiment beau, le verre est pétillant. Hey, on vient juste d'arriver à notre site de camping après 12 km, deux portages, on est arrivé, on est au site 11. 20, un site après au tiers du trajet. Je vous montre. On a trouvé un spot, gang! Wouhou! Mais ça, je vous montre ça que ça marche. Ok, ce que je veux vous montrer en premier, la belle plage, regardez ça. Une belle plage. Et ce que j'adore, des belles roches sur le bord. Moi, j'aime beaucoup m'asseoir sur les roches hein, le matin avec mon café. Fait qu'ici, on ne manquera pas de. On manquerait pas d'endroit. Et j'ai déjà spoté la belle roche du coin là-bas. Donc, moi, j'étais un lève-tôt. Brandon, pas autant. Et demain matin, c'est sûr que mon café, je m'en vais trouver un chemin qui va se rendre sur la roche là-bas. Puis là, je vais prendre mon café. OK, je continue. OK, on a le rond à feu. Donc, chaque terrain ici a un rond à feu déjà fait. Ils disent bien de ne pas déplacer les ronds de feu. Donc, on va laisser. Ici, on est chanceux. Nous, c'est presque sur la plage avec la vue sur le lac. Donc, il est vraiment bien placé. C'est pour ça qu'aussi, on a choisi ce terrain-là. Ensuite, j'ai apporté mon hamac. Vous savez que j'aime ça, les hamacs. Brandon a apporté sa chaise ici. Et moi, je vais avoir mon hamac. Fait que je vais être vraiment confortable la soirée. Et autrement que ça, on a les barils. Regarde, j'ai juste mis ma ceinture par-dessus le baril. Ça va me faire un siège sur le bord du feu. On va être bien. Ensuite, on a la section des tentes. Donc, la tente Brandon. Ma tente, vous avez sûrement vu dans d'autres de mes vidéos. Donc, ça fait pas mal le tour du terrain ici. Mais en vérité, on s'est installé vraiment proche de la plage parce qu'on avait le goût de voir de la plage. Mais regardez, si on regarde en profondeur, le terrain est vraiment grand. Là. Il y a un spot pour une autre tente ici, un autre plus loin.
C'est vraiment un terrain. C'est facilement, c'est pour trois tentes, ça te dit, mais on aurait pu rentrer beaucoup plus que ça. Et chaque site ici a une toilette. Je vous montre ça. Et voici ce qu'on a dans les toilettes ici, au terrain. Intéressant, un baril rentré dans la terre. OK, la tente est maintenant montée. Voici mon setup pour la nuit. Mon sac à couchage. Sur le dessus, c'est un liner. J'ai ma tête d'oreiller gonflable au bout. Et en dessous, j'ai mon matelas gonflable. Donc vraiment, mon même setup que j'ai quand je fais du backpacking. OK, comme on est dans le milieu de la forêt, tout ça, on a décidé de faire attention pour les ours, tout ça. Fait que, regardez ça, ce que j'ai fait. J'ai lancé. J'étais à peu près à 15 pieds de hauteur, 6 pieds de l'arbre, comme ils disent, pour accrocher un sac de bouffe dans les arbres. J'ai réussi. Du premier coup, mon lancé, je suis vraiment content. Je sais, des fois, ça peut prendre plusieurs fois. Mais non, première fois. Wouhou, je suis content. C'est la première fois vraiment que j'ai besoin d'utiliser cette méthode-là. Dans les secondaires, j'apporte toujours un bear canister, donc j'ai pas besoin d'utiliser la méthode. Fait que c'est la première fois vraiment que je vais l'utiliser. Yeah! OK. On a fini de souper et tout ça, fait qu'on a une petite balade en soirée. La lune est rame. Moi, je fais le bois. Ça sent bon. Gosh, c'est 6h du matin, j'ai mon café, j'ai trouvé un beau rocher, regardez ça, c'est le bord du lac, on est bien. Ça, c'est la belle vie. Bonjour tout le monde. Une deuxième journée sur notre 3 jours et 2 nuits ici à la réserve faunique La Vérendrye. Donc, on est en train de lever le camp tranquillement. On est presque terminé. Donc, on s'en va vers une belle journée de canot camping. On va voir sûrement un rapide, je pense une chute. Et on va avoir une coupe de portage à faire, donc ça s'annonce une belle journée de canot camping. Prêt pour le jour 2? Prêt pour la route. C'est parti, regarde, on quitte notre site. Et c'est parti. Tellement bon, j'ai pas goût de quitter. 8h moins 10, quand même, on est bon? On va être certainement les seuls sur la lac, c'est clair. Personne d'autre. OK, on vient d'arriver à un petit barrage à Castor, donc on est en train de se préparer, on a étudié. Il y a un passage ici, ou il y a un passage au milieu. Je pense qu'on va passer au milieu, comme ça va bien glisser. Et c'est parti! OK, Brandon va tenter de sauter de la falaise ici. On est allé vérifier, c'est creux. Il y a des endroits que ça descend vraiment creux et il n'y a pas de roche. Il faut juste savoir à quelle place que c'est.
on est arrêté sur une île pour prendre une pause. Puis regardez ce que j'ai trouvé. Ouh! Des bleuets. On est au début de juillet, puis déjà des bleuets. Vraiment impressionnant. Je suis content. OK, on arrive à des rapides. Là, on va faire du portage. On n'a pas un canot, en fait, pour descendre les rapides. Si on aurait un canot, peut-être qu'on serait essayé. Mais là, on a un canot qui n'est pas fait pour descendre les rapides, apparemment. Donc, on va jouer safe, puis on va faire du portage. Une journée 2, on est arrivé à notre site, un vrai jackpot qu'on a trouvé. Le 1087, regardez ça. Installez-moi un Mac. Regardez le pit à feu, on a la vue sur le lac. Le soleil qui va se coucher à ce côté-là. Ouais, vraiment, les beaux rochers sur le bord de l'eau. On a un endroit qu'on peut sauter dans l'eau. L'eau est chaude. Parfait, parfait, parfait. Les sites pour les tentes sont géniales. Brandon, il a enfin réussi à avoir son spot là, sur le bord de l'eau. Il veut se lever demain matin pour pouvoir ouvrir sa porte et avoir la vue sur l'eau. Avec ça. Moi, mon site est également intéressant, un beau site. Un plat. C'est ça. Génial, vraiment un beau spot, je suis bien content. J'ai une sangsue sur les pieds. On a essayé de la bière, ça décolle pas. La bière, c'est juste niaiser pour niaiser. Mais ça a quand même fait décoller à moitié. Et là, on essaie avec un pretzel. Un pretzel qui est vraiment salé. J'ai vu à la télévision que quelqu'un faisait ça avec des chips au barbecue. Fait qu'on va essayer avec un pretzel. Et ça passe à sel aussi, c'est ça. Ok, pour ceux qui se demandent, ça fait pas mal. C'est juste dégueulasse. Fucking dégueulasse. Ah! Oh. Hey, es-tu tombé? Colin. Hey. Qu'est-ce que je fais à l'autre, là? Hey, là. Thank you.
Je veux remercier ceux qui ont rendu cette excursion-là possible. En premier, Brandon de Brandon on the Go. En deuxième, j'aimerais se remercier Cano Camping, La Véranderie pour le super service, pour les sites de camping incroyables et propres. Et finalement, Halte plein air sur la rue Maloney à Gatineau pour nous avoir prêté des barils pour garder notre équipement et notre linge au sec. Bon matin tout le monde, c'est notre dernier matin ici à la réserve faunique La Véranderie. Ce fut une expérience pour moi incroyable. La beauté des lieux, la grandeur. Brandon, toi, ce que t'en as pensé? Honnêtement, c'était vraiment une des meilleures expériences que j'ai eues depuis longtemps. C'est incroyable ici. La tranquillité, comme Joey a dit, la grandeur, on se sent vraiment isolé à plusieurs moments. C'est assez rare qu'on ait ça de nos jours. Puis les emplacements de camping, là, c'était idyllique. Là, je veux dire, tu sais, le coucher de soleil. Hier soir, on a pu sauter dans l'eau pour se rafraîchir. Ouais. C'était enchanteur, hein? Enchanteur, c'est le bon. Joey a dit enchanteur ce matin pendant qu'on préparait. Puis je pense que c'est le mot parfait pour ça. Hey, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me laisser un like, à me laisser des questions, des commentaires. Toi, Brandon, où on peut te rejoindre? Vous pouvez me rejoindre sur YouTube, Instagram, Facebook, puis aussi aller visiter ma site internet de brandonthego.ca. Vous avez une carte interactive avec plus de 60 sentiers et avec toutes les informations et les choses à faire en Outaouais, incluant toutes les MRC, parce que moi, je n'exclus pas les régions éloignées. Ah, c'est bon ça. Moi, vous pouvez me rejoindre sur Joe Explore plein air sur Facebook, Joe Explore sur Instagram. Et Brandon, on dit à une prochaine aventure!